parole à palais.com. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour. Ce matin, comme annoncé, mon invité, le coordonnateur du groupe de recherche et d'intervention en éducation et en développement, avec André Lafontaine-Joseph. On va voir comment on évalue la réalité après Mathieu. Est-ce que la disposition a été prise? Quelle évaluation fait-il de la gestion de l'aide? Puisque André Lafontaine-Joseph, au nom d'un groupe, a toujours fait le plaidoyer en faveur de la décentralisation, d'une meilleure répartition des richesses à travers le pays. Voilà, le résultat aujourd'hui, eh bien, on va le voir avec notre invité ce matin. Merci de votre fidélité, Valérie Numa, à l'antenne. André Lafontaine-Joseph, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Valérie, bonjour à tout auditeur avec auditrice Vision 2000. Napkembe, nous pas capable de nous bien dans la situation que nous avons traversé, mais Napkembe. Et plaidoyer côté qu'on fait en faveur, toujours fait en faveur et collectivité territoriale, je dis à nous devons faire accompli, qui soit dit tout. Bon, nous devons faire accompli et malheureusement et même défauts structurels, même dysfonctionnement qui toujours gagne dans la relation de l'État ensemble avec la collectivité territoriale, c'est même nous qui paraît souterrain. Et nous capables de remarquer que par rapport à une question de désastre naturel, et surtout un désastre qui est prévisible, il y a trois phases. Il y a une phase de prévention, et une phase de aide d'urgence pendant que le désastre a passé, ou bien quelques jours après, et une phase de reconstruction, c'est-à-dire ces phases d'intervention qui peuvent porter des réponses à long terme. Nous remarquons que dans tous les trois phases, rapport, type de rapport, type de vision qui gagne entre rapport l'État, pouvoir central avec collectivité territoriale, ne pas permettre une meilleure utilisation de collectivité territoriale pour faire face à dilemme ça. N'a pas remarqué que nous avons un cyclone qui a marché doucement en pile. Il prend une dizaine de jours pour lui sortir dans une zone côté qu'il formait pour arriver sur Haïti. Et parcours-là, c'est un parcours qui était pratiquement connu. C'est parcours ordinaire, ouragan. Et un super ouragan que tout le monde peut, qui était même arrivé au niveau 5. Eh bien, on rend compte que, en 20 cyclones arrivés sous zone que tout le monde connaît qu'elle a touché, pas aucune disposition vraiment qui prend pour permettre que collectivité territoriale, à savoir mairie, ensemble avec Kazek, jouer rôle qui nous fait critique ça. Nous fait critique ça en pile, nous tendons et en pile analyse faite en sens ça. Là, nous parler de disposition que tu es supposé prendre. Bah, regardez où même qui j'ont été comprendre disposition, qui ça pense que tu es de fait là. Bon, et déjà, on a remarqué que structure sérieux, déjà, c'est eux-mêmes qui ont leadership, on sait de structure spéciale qui fait pour gestion risque avec désastre. Les fameux comptes, etc. Comité gestion risque avec des actions, c'est Mério, c'est Kazekio. Même Kazekio, même si vous passez l'élection, mais c'est eux sur le terrain. Et vous apprenez en compte que avant et ouragan arrivé dans la zone, et l'État haïtien, à travers le ministère intérieur ou bien le ministère finance, était supposé alimenter compte mairie avec Kazek, toute zone ça. À savoir, pour que vous capable de faire provision de tout ça que vous avez besoin dans le moment cyclone. À savoir de l'eau, à savoir et manger pour mounio, etc., couverture, etc. Ça, t'es doué supposé fait. C'est pas là que le cyclone arrive, et puis pour c'est là ça pour bailler sur ta fête. Ça, c'est un terme financier. Maintenant, on suit le modèle Kuber. Modèle Kuber, là qu'on bail comme ça qu'a passé, il y a autorité locale cubaine
c'est porte à porte yo marché fait la caille tout moun yo pour informer pour dire mais qui ça capte pour motiver bien sûr s'il y a des abris provisoires mais qui disposition qu'a prend pour recevoir moun yo dans abri provisoire et puis l'en parler d'abri provisoire là tout c'est de vrai abri provisoire parce que sous nos zones côté qui gagne cyclone et vous connaissez que cyclone pas marche avec caltol côté tol n'est pas bien consolidé soit ils font abri provisoire et puis c'est une, un côté son édifice en tol bon c'est comme si Mdado c'est presque une blague que lié donc phase oui, mais de préparation de prévention oui, mais prévention non abri provisoire comment vous avez fait non si son abri provisoire pour cyclone c'est ou bien on fait en béton ou bien on fait avec un tol qui est vraiment bien consolidé parce que des gens qui sont capables de mettre tol avec des structures métalliques etc qui capable permettre que les capables plus ou moins résister à cyclone là mais si son abri provisoire pour cyclone faut que son abri il pas capable ou pas carré l'abri et puis pour un abri vrai et un abri provisoire c'est pas carré seulement que lié faut un minimum de moyens là-dedans. Donc c'est ça que mon relé tout acte qui te gain pour te fait juste avant ou bien quelques temps avant parce que pas fait parce que clair que pas fait maintenant nous pas capable et rendre un gouvernement responsable d'une catastrophe naturelle ça c'est clair mais nous capable rendre lui responsable de mauvaise gestion qui fait par rapport à le événement passé et après que l'événement passé et c'est ça jusqu'à présent immédiatement après cyclone non et nous rendons compte que même le que nous la collectivité yo pas gain aucun moyen financier dans main yo dégagé yo rempli fonction yo et yo aller au secours de population yo c'est yo tout partout etc. C'est-à-dire que là une question bagaille entendez des monde qui a fait le discours de responsable qui a fait le discours pour dire que certains magistrats etc. mais là moi-même moi crois que tout magistrat dans zone qui touche yo pas connait yon là-dedans yo qui c'est pas avec zone yo qui pas dégager yo là c'est biscuit crédit secret etc. marché pour permettre que moun yo rive survivre dans abri provisoire mais maintenant qu'on y a là que bon intervention l'état qu'a fait et intervention ça aussi des interventions de proximité que y est. Or nous avons des autorités de proximité magistrat kazek azek c'est nous ça supposé mobiliser avec des consignes précises avec des modalités précises qui pour faire penser en grande partie dans intervention qui pour faire yo pas dire pour bailler fait toute bagarre qui pour faire non. Mais en tant qu'autorité qui connaît zone que moun yo connaît que leur moun yo gon problème c'est vers eux même que yo adressé parce que faut que disposition ça te prend très clairement que l'état te chita ensemble avec autorité yo pour étudier qui gens que y a fait face à besoin faut me dire que dans relation ensemble avec élu locaux yo jusqu'à présent te gon une grande réunion qui est faite dans Okaï une grande réunion de la FENAM côté que yo voyons signal yo font appel du pied bah pouvoir là pour dire que mais velléité pour que yo participer bon ce que me pense c'est que son bagage son gouvernement a cherché ça dans ciel yo porter bah ça offrir gouvernement son plateau d'argent et bon jusqu'à matin on parle avec deux trois responsables FENAM qui disent que eh ben pouvoir central là pas occupé pouvoir central n'a pas aucune réponse il va jamais chiter ensemble avec eux et de tout ça peut-être qu'a planifié qu'a fait là c'est des bagages que jusqu'à présent il a préparé a planifié question de intervention pour faire kounya là et peut-être après sans aucune participation de monde qui c'est autorité locale et par rapport à position privilégié que tu as gagné nos systèmes comme ça. Maintenant, sur une question à long terme. Non, on ne peut pas aller à long terme. On ne peut pas aller à long terme. D'accord, parfait.
Trois phases de prévention. Bon, nous d'accord que et pas de gain plan de contingence, pas de gain qu'un planification qui est faite, aucune préparation réellement. Bon, c'est vrai que à un certain moment il a annoncé que 300 000 gourdes étaient disponibles pour Mirio. On a noté que chaque magistrat par la veille, il dit il va recevoir 300 000 gourdes. Soit il va recevoir, ou il ne peut pas recevoir. Bon, 300 000 gouttes, ça, c'est ça que 300 000 gouttes, ça, t'es capable de faire. Ce sont 300 000 gouttes qui t'es capable de faire une campagne de sensibilisation quelques jours avant le cyclone, non. Parce que si vous voyez 300 000 gouttes, il faut dire qui ça vous voyez pour 300 000 gouttes, non, fait. Donc, je pense que c'est clair que, bon, ça montre tout, et des involtures qui viennent dans l'État, et non seulement des involtures, qui gens que y a dépensé comme, sans que y a pas même défini qui ça pour quoi bien faire, parce que souvent 300 000 gouttes, faut dire, mais qui ça pour quoi bien faire. Pourquoi c'était pour prévention, hein? C'était pour, d'Acadie, faire une campagne de sensibilisation que le non, 300 000 gouttes n'ont pas pour une campagne de sensibilisation, parce que moi-même, m'entendais parler d'affaires de 300 000 gouttes ça, après 24 heures de temps, avant le cyclone n'arrivait, parce que, ou à songer que, dans toute vendredi, avant que le cyclone n'arrive, pas bien question de 300 000 gouttes. Peut-être que c'est dans vendredi ça 300 000 gouttes le parle. Mon lundi, le cyclone était déjà sous nous. Le cyclone était déjà sous nous. Donc, c'est pas 300 000 gouttes pour prévention. C'est vrai qu'il faut te voir 10 jours avant le cyclone n'arrive. Et 300 000 gouttes, ça faut te dire exactement, mais qui ça pour le faire? Et 300 000 gouttes, by Mirio. Et qu'avec eux-mêmes. Qu'avec eux, tu as supposé faire porte à porte. Marcher, informer Mounio, etc. Donc, et on va prendre en compte que, bon, supposons que au mairie, il y a une dissection communale, ouvre 300 000 gouttes Bali, à peine si que l'y gagne, et 3 000 gouttes pour le voir dans la section communale, pour qu'on travaille fait. Mm-hmm. Et on travaille de prévention, on travaille de communication avec la population, son travail qui doit être fait de manière systématique. Maintenant, si on disait pour prévention, bon, et les cyclones n'ont pas si en lui-même. Et abri provisoire, il n'y a pas structuré comme des bagailles qui ont des dépôts là-dedans, qui ont des dépôts de vivant. Il n'y a pas structuré comme ça. Donc, qui boit pour mettre de l'eau? Qui boit pour à qui corps pour acheter de l'eau? À qui corps pour acheter un minimum de manger les choses les plus élémentaires? Donc, ça veut dire qu'en fait, pas rien vraiment. Mais pendant que pas guerrier, moi-même depuis quelque temps, moi recommencer avec analyse budget pays. Bon, moi ouais que l'élite haïtienne, que ce soit au niveau académique, c'est-à-dire université, que ce soit au niveau des professionnels qui dans question à fait développement, économistes, urbanistes, et que ce soit au niveau de la classe politique, et bon paraissent et pour que yo analyser budget république là pour yo faire que budget république là gagne moi-même m'a dit là encore c'est pas normal que paysan type de budget ça moi qui en dans budget c'est budget ça que pour nous gagne et puis pour nous comprendre que bon gouvernement capable faire rien de sérieux pour paysan avec budget ça parce que nous parler de caisse noire nous parler de fonds de gestion qui ton caisse noire. Et bien sûr, Kounyala a mené une grosse bataille pour que yo continue mal gérer fonds de gestion. Mais où on s'est passé pendant que n'a pas pression pour que Koblan pas gaspillé. Mais yo va vouloir sortir Koblan du tout Kounyala non pour collectivité territoriale. C'est comme si Mdado son politique de bon comme moi pas capable besoin de fonds de gestion moi-même et puis Kounyala me bloquer net. M'a pas annoncé par exemple que nous passons moitié mois octobre. Ministère intérieur pas bail mairie en quelle information sur combien corps a recevoir en termes de subvention de fonctionnement ni en termes de transfert d'investissement pour des projets y compris par exemple dans zone qui affecté des interventions pour l'école pour centre de santé. Ministère intérieur pas by Mounio, en quelle information, elle dit que actuellement, par une mairie qui a un budget vrai, parce que y'a pas capable de faire budget, sans qu'y'a pas qu'on ait combien de copes qu'il a recevoir. Donc, ministère intérieur empêtré avec l'agent fonds de gestion, ça c'est une.
Mais deuxièmement, dans le budget national, dans le budget national, c'est vrai que la collectivité n'a pas paraît dans le budget. Mais on ligne budgétaire qui relève les dépenses de transfert. Les dépenses de transfert lient un montant de plus de 7 milliards de gourdes pour l'actuelle année fiscale. 7 milliards de gourdes, mais les dépenses de transfert. Lo a regardé dans l'article qui dans le commencement, loi budgétaire. Il y a eu que dépenses de transfert, yo, c'est pour indemnisation, c'est-à-dire que l'on a une indemnité pour payer, coûte pas et institution de l'État yo, dans des activités, et puis subvention. OK? Mm-hmm. Et l'aide des subventions, dans tous les pays du monde, les dépenses de transfert, puis grosse subvention, puis grosse partie dans l'utilisation des dépenses de transfert, yo, c'est des subventions aux collectivités territoriales. Moi, je dis 7 milliards de gourdes dans le budget pays pour les dépenses de transfert. Au moins, il faut avoir 3 milliards et demi de gourdes par année qui t'a transféré de ministères vers les collectivités territoriales pour des interventions dans le domaine incapable et ministère ça. Par exemple, au niveau de l'éducation, si il y a l'école qui pour réparer, eh bien, c'est pas le ministère éducation, le ministère et éducation nationale pour obliger à réparer l'école Camperin, ou l'école d'Amari, ou l'école Anzino. Il faut obliger à mobiliser BEMPAD, à mobiliser comment il est l'autre bar et sacté qui dégage que M. Belize, ingénieur Belize. Il faut obliger pour que c'est de manière centralisée. Même si des organismes d'État qui ont bah, tout le monde connaît corruption, détournement, dysfonctionnement qui est dans structure, instance technique, soi-disant technique, ça y est. Alors que y a des magistrats qui là, qui sous place, il y a des cavettes qui sont capables de superviser, qui sont capables de prendre en charge, réparation pour faire dans la structure. Il y a des ingénieurs qui étaient dans la zone, il y a des professionnels qui attachent à la zone qui étaient, qui sont capables de travailler. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas normal. C'est ça qu'il faut que l'intervention soit mariée avec l'intervention comme ça. Parce que si on te connaît que tu as des gens sur le terrain qui sont capables de faire intervention, et puis les autorités locales, tu as des moyens en main, tu as des moyens en main, combien faut-il de temps pour que on devine réparation faite? Bon, bien sûr, il y a un problème de disponibilité matérielle, mais ça, lui-même, il doit assurer nos concertations entre l'État, autorités locales avec des fournisseurs, etc. C'est-à-dire que il y a moyen pour que on fasse des bagages faites, mais autorités centrales, étant donné qu'il y a des pratiques centralisées, qui sont des pratiques qui pas efficaces, ils ont empêtré dans la pratique ça, et ils ont refusé de garder de l'autre mode d'intervention pour permettre que l'action soit plus efficace et l'intervention ça, tout le monde participation élus locaux. Ok, ça c'est avec l'État lui-même, notamment le ministère de l'Intérieur, qui t'a supposé être à la disposition. Maintenant, on va regarder différentes aides qui ont venu. Parce que quand même, l'on catastrophe frappe nous, et nous toujours jouons un support, que ce soit des Haïtiens, de bons Samaritains, qui des gens qui sont même très sensibles à la question ça, aux jeunes des gens dans la diaspora, des groupes, qu'on s'en touche un paquet d'ONG. Bon, regardez qui j'en ou même, et l'on a regardé, et puis l'aide qui a venu, parce que n'est pas un parole, qui j'en ou aide l'arrivée? Bon, l'aide qui a venu, il faut que, et il y a une bonne partie dans l'aide, conseil d'institution qui positionne pour que l'aide n'en passe par eux, c'est d'institution, c'est comme si d'un son business que vous avez. Et l'homme dit ça, Bablé dit, c'est pas seulement institution au niveau national, et c'est encore plus des institutions internationales. Bon, nous connaissons le scandale qui fait autour de questions de poids américaine, nous comptons toutes bases, nous n'avons pas besoin de citer encore. Et moi-même, je regarde sur net, je regarde tout ce qui a positionné pour que COP passe par eux-mêmes. Bon, ok. Pas de problème, COP doit passer par eux-mêmes, parce que si on contrôle, si on l'État vrai, le ministère de planification qui croit que qui gagne attribution ça pour que le coordonner ça yo institution ça yo yo te gagne droit
et imposer des modes d'action, des modes d'intervention qui limitent les possibilités pour faire gargote souterrain. Et une politique qui est capable de faire ça, c'est exiger que vous passez par mairie et en particulier par comité gestion des désastres. Parce que gestion des désastres, ce n'est pas le désastre passé seulement. Après désastre, c'est-à-dire les fameux comités compte, coude, etc., qui sont au niveau départemental, au niveau communal, au niveau de section communale, c'est pour ça qu'ils ont créé et ils ont tout dirigé par élu local, ensemble avec tout un de l'autre secteur clé, tant que la police, tant que la justice, etc. Instance ça, ils ont fait pour yo responsabiliser. Yo. Parce que, ça passe. Là, c'est un ONG qui c'est lui-même qui a décidé qui ça le pourrait faire. Eh bien, où est-ce qu'on doit jouer? Lui, c'est un ONG qui dit que lui-même, c'est biscuit à sucre que yo va distribuer. Donc, supposons que 10 ONG pourraient intervenir dans nos zones, et puis tous les 10 ans, parce qu'il y a une boulangerie qui dit que ce monde n'a pas besoin de faire boulangerie en fond, il y a un magasin de sucre, et puis tout allait avec biscuit, avec sucre. Bon, je vais un exemple, qui sont exemples pour nous montrer la surdité question. Mais ça capable de faire. Des bagages similaires capables de faire, parce que fois que nous avons acheté avec l'autorité locale, ils ont dit, mais telle section communale, mais qui ça gagne? Là, c'est nous besoin de l'eau en urgence, peut-être pour Mounio, mais en attendant, nous besoin de réparer un système captage. Là, mais qui problème que Mounio gagne? De manière urgente, nous besoin de sol pour nous réparer Kayo. Mais à plus long terme, nous avons une action pour nous construire des toits qui sont capables de résister avant. Parce que faut, même là qu'on a urgence là, il faut garder long terme là. Parce que dans l'urgence là, on n'est pas capable dépenser toutes les ressources dans l'urgence là pour faire, pour porter une solution qui n'est pas durable. Parce que Valérie, n'a pas remarqué que nous sommes dans une zone cyclone. Bon, c'est pas, bon Dieu, même, ouais, moi, on dit, j'en passe un croix sous bouche pendant ma ville. Là. Saison cyclonique là, pour qu'on finisse. Ça veut dire que, on va prendre compte que nous n'avons pas de cyclone, mais jusqu'à présent, nous avons une tropicale qui vient avec beaucoup de l'eau. Ouais. Ça veut dire que, Nous obligés, pendant que nous avons gardé axe et nous avons gardé intervention d'urgence, nous obligés de garder intervention à long terme. Et encore une fois, mairie, c'est eux-mêmes qui sont responsables de bail permis de construire. Faut dire que en matière de construction, en urbanisme, c'est pas leur poil construire carrément seulement pour mairie en bon permis, non? Sous réparation, sous aménagement, quoi faire dans le carré, il faut que mairie ait permis de construire tout. Et permis de construire ça, moi-même, c'est urbaniste que je suis. J'ai longtemps plaidé pour ça. Pour que permis de construire, ce n'est pas un simple taxe. Qui est recoupé. On a payé, et puis depuis le fin de payer, et puis mairie n'a pas besoin de compte ça l'a fait. Un permis de construire, c'est comme quoi vous payez pour. On supervision de travail qu'a fait là. C'est-à-dire que là que mairie en fin. Du communication avec André Lafontaine-Joseph, qui a gardé avec nous réalité aidant après passage Mathieu sous pays d'Haïti. C'est vrai que gagner un ensemble de dispositions que tout le monde connaît qui est supposé prendre. Et au niveau de l'État, ministère de l'Intérieur, et bon, en principe, vous avez supposé dire qu'il y a une chance de gagner, on a qui dans la tête, qui lui-même est très critique hein, à l'égard de tout ministère intérieur passé, et d'autant qu'il était président commission intérieure au niveau de Sénat République. Donc, le ça, c'était l'homme aux abords du pouvoir. Maintenant, c'est l'homme au pouvoir. Et parce que ça arrive très souvent, l'homme n'y a pas sous pouvoir, il y a tout ça qu'a fait, il y a tout ça qu'a doit faire, il y a tout ça qu'a pour faire, etc. Mais et le CEO même qui arrive qu'on y a, il a exigé toutes circonstances atténuantes pour eux. Ouais. Donc c'est comme ça. Alors nous avons regardé avec André Lafontaine-Joseph question ça. Monsieur Tabgadon, il a dit plus structurel pour regarder
qui gèrent déjà dans nos nomenclature budgétaire, qui gèrent considérer des bagages. Qu'on y a là, on est arrivé dans la phase que tu n'as pas eu de aide là même. Qui j'en aide là au recevoir, qui j'en yo a canalisé li, gen des moun qui a profité de aide là tout, gen une question de beurre qui a été fait, gen ensemble de ONG qui était impliqué dans ensemble de scandale dans question aide après et 12 janvier et en Haïti. Et ben c'est yo même encore qui est devant de la scène qui ça baille comme résultat parce que de toute façon pas de sanctions réellement, donc pas voilà, un problème, pas points, donc, capable de toujours continuer et faire valoir intérêt pour que yo continue à gérer une quantité de montants. André Lafontaine Joseph quoi que Fokio est tenu compte en pile de autorités locales yo, magistrat, kazek pour permettre que yo gagne une implication dans dans question ça, dans gestion aide là, dans réponse cap baille et à aide cap enfin à situation qui vient présenter pour permettre que moun yo qui yo même vivent tout près avec autorité sa yo pour que capable arriver et ndaka di je nous met un minimum dans sa cap disponible là. André Lafontaine. Oui, nous là oui, oui. OK, communication était coupée. Communication était coupée. Mais comme c'est gardé n'tap gardé et dans lui-même ou t'ap indexé des organisations qui eux même malgré pas de bail bon résultat. À un certain moment, tout le monde a faufilé quoi là pour que vous venez prendre contrôle aide. Là, pour que vous ayez plus visibilité que action. Voilà. Bon, pas visibilité seulement. Pour que vous fassiez comme tout. Yeah. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Pour que vous fassiez comme tout. Parce que les ONG qui ont fonctionné, et tant que si vous avez un million qui passe à travers ONG comme aide, au moins 40% d'un million, ça, si c'est pas plus, mais bon, c'est sous forme de salaire, de frais, de tout l'autre frais. Donc, en fin de compte, c'est dans la moitié qu'on gagne. Donc, c'est ça qui fait que, bon, si on aide sérieuse vraiment, il faut que c'est pas un très grand pourcentage de aide-là qui passe par ces ONG, parce que ONG, ça, il y a même pour continuer au fin de manger aide-là. Ça fait une. Mais deuxièmement, là, que au fin de manger aide-là dans le salaire, bon, comme il n'y a pas fait un lien de trop sérieux avec Tires qui retient, donc il faut bien une visibilité maximale. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas pour aller faire une intervention dans la section communale. Pour qui ça fait intervention dans la section communale? Côté que télévision n'est pas capable de suivre, correspondant radio n'est pas capable de suivre, vous ne pas comprendre? Il n'y a pas de ça. Parce que faut que yo font semblant, faut qu'on on fait semblant que bon bagage qui était fait dans la zone là. Mm-hmm. Et ça y a fait la chose la plus visible, même si que le pas correspond à besoin mounio que y a intervenu. Donc sous prend logique ça qui sont logiques qui indépendant de moun qui a recevoir aide là et de gouvernement lui-même, si pour que ou mettez un tempérament dans logique là, il faut que c'est responsable l'état eux-mêmes qui pour imposer des modes d'action qui pour capable permettre qu'on diminue le risque. Et ça me dit que mode d'action ça yo, une caractéristique principale yo, c'est implication autorité locale yo, c'est implication population yo, de telle sorte que c'est ça nécessaire qui pour faire dans zone là que gagner en concertation. Bon, moi-même moi t'ai suggéré la FENAM pour que la FENAM demande que on ONG pas intervenu dans une commune s'il pas passé dans mairie, enregistre la mairie, dit qui ça qu'elle capable faire, et puis pour que mairie lui-même dans cadre comité gestion risque avec désastre ensemble dans tête collé ensemble avec Kazek yo permettre une répartition, permettre déjà un choix de qui type d'intervention qu'a fait là que lui correspond à besoin réel yo, et lui permettre que leur ou fin déterminer correspondance avec besoin réel là qu'on y a là pour assurer équité, ça qu'a fait. C'est-à-dire que pour, c'est pas un seul ces groupes qui bénéficient et puis on l'autre pas bénéficier. Parce que bon, on suivre que, étant donné que par un plan clair de distribution aide là, c'est une raison qu'il faut que la population marche attaquée par eux. Parce que personne ne pas connaît qui là aide la privée qui tel côté. Par contre, si nous comprenons bien, c'est-à-dire on commune, il y a 10 sections communales. Pas que personne dans la 8e section communale qui connaît qui est l'aide de la privée.
pas de personne monde qui connaît dans 5e section communale qui là que aide la privée. Bon maintenant, l'heure où on va passer ça pour faire. Et bien, attaquer. Parce que c'est des monde qui dans grand goût. Alors que si des bon calendrier, si mon yo te connaît que bon, ben on a commencé, il y a 3 sections communales pour aujourd'hui, 2 l'autre aussi pour demain, 3 l'autre c'est pour après demain. Ça a une meilleure disposition pour que mon yo tende le tout par arriver. Donc c'est pas pour vous, parce que bah il a fait n'engagote côté que pas bon stratégie bien pensée. Après ça, je crois que ces populations, que c'est des sauvages. Mon d'accord, on ne peut pas empêcher que, par exemple, des groupes, des particuliers, des organisations, ont décidé de dire eux-mêmes, mais qui côté vous voulez aller, mais qui côté vous voulez aller pour ton aide. Hier, par exemple, nous faisons un exercice là, dans l'école dans la zone Bolakamouin, et qui fait construire. Et bon, aller à Feuille-Folle, il permet que les jeunes, enfin, 350 feuilles-tolles pour découvrir l'école, là, tout à l'heure. Donc, ça veut dire que moi, fait on demande, bon côté d'Acadie, des auditeurs, auditrices, qui eux-mêmes permettent que, et institutionnellement, ils ont action faite. Par exemple, il y a des groupes qui ont fait des actions ciblées, ou d'accord, sans que ce n'est pas forcément, ils ont connu qui le bail va le venir. Non, mais d'accord, oui, mais Mabdou. Ou même qui prend initiative ça par rapport à l'école ça et si il y a trois autres monde qui dit après même initiative là par rapport à l'école là ça va le passer là c'est de ça que m'a parlé c'est pas dit que comme si n'da du monde qui va venir faut que c'est magistrat Dieu mais qui semble faire mais si on dit que ou même c'est de l'eau capable distribuer bon, si on pas besoin de l'eau il y a de l'eau mais allez si c'est de l'eau seulement on veut distribuer il y a de bon. Merci beaucoup, nous, côté pense à nous, mais nous avons besoin de l'eau. Si vous êtes capable de nous tel l'autre, vous avez besoin de l'eau. Mais si vous n'êtes pas capable de nous, vous n'avez pas besoin de l'eau, et vous même décidez que c'est de l'eau qu'on veut distribuer. Par exemple, pour l'action ça qu'on fait par rapport à l'école, là, eh bien, si vous avez l'autre monde qui veut faire action par rapport à l'école, ça, eh bien, faut que Mérien dise que, eh bien, il y a Monsieur Valéry Numan, dans le cadre, il a fait ça qu'on envisage déjà. Donc c'est ça que fait, il faut que Mérien lui gagne en connaissance de tout ça, toute velléité d'aide qui vient pour bailler à la commune. C'est là où rôle de coordination réalisé. C'est ça seulement que je l'ai dit. Même pas je dit que, comme si je dit que Mounio son droit de veto que vous gagnez, c'est eux qui ont décidé ça pour que une institution fait. Parce que sans institution quoi faire, il dépend de mission. De ça que le compte fait, de ça que le capable fait. Donc, gain, ça, c'est clair. Yeah, gain, pas rien doute là-dedans. Gain des entités, gain des entreprises privées. Il y a des cités, par exemple, plusieurs, gain ONG. Moi, par exemple, Hands Together, vini, yo font bagay dans la discipline, yo vini avec tol, yo vini à manger, yo vini à de l'eau, et etc. Yo gon link yo suiv, yo planifie puisque yo rencontre avec yo rencontre avec les responsables locaux, etc. C'est quoi ça action entreprise et privée tout. Yo vini, yo gen tout une liste, yo connaît, yo gen pour rencontrer avec telle mairie, mais qui tel bail a bail on bail comme si nous d'ou très méthodique etc. Donc gagner moi ouais qui fait dans l'ordre et qui respecte certaines logiques. Bon, c'est tant mieux mais gain et soit pas gain préoccupation mais gain l'autre tout du fait que on fait dans des ordres là, c'est parce que c'est ça ranger yo. Et c'est pour ça gain l'état. Gain l'état c'est pour permettre que intérêts individuels, yo pas et en désaccord, yo pas à l'encontre des intérêts collectifs. Bon, c'est tant mieux que gien Excel, yo par exemple que le fait comme ça, que le passé bien, mais là où on s'est débat passé mal dans tout ou que mon a sauté etc. Et m'pas dit que population sont population que tout le monde qui là dans ces 5 heures, non. Mais gien des gens que ben a fait moun yo pas d'information. C'est ça que fait magistrat eux même tout le relation en coordination chita avec conseil d'institution et puis ça yo planifie avec mais qui en bas en fait yo gen comme devoir d'informer population c'est pas en arrivé au niveau du magistrat puis ligne chaîne d'information li camper là il faut que magistrat yo informer kazek yo que kazek yo informer population section communale yo et que mairie yo informer population zone urbaine yo. Moi-même, c'est comme ça que moi-même. Gon deuxième inconvénient.
par exemple, il y a une quantité de monde qui déplorait des ordres qui fait au niveau de mairie yo même. Par exemple, il y a des monde qui dit que il y a des désordres. Si c'est pas mieux que tu entretenu yo, distribution des cafés mieux. C'est vrai, c'est des accusations, mais sauf que il y a tellement de monde et il y a des monde que me pense qui gagne en certaine crédibilité qui notait que justement et gon expertise n'a fait gestion ça que en pile dans mairie pas rien. Bon, mais c'est pas même mairie parce que Fondi Valérie que il y a des instances de gestion de risque et désastre qui dans cadre de la protection civile. Donc ça veut dire que mairie c'est pas les mêmes pour obliger bail tête long compétence. Gagne l'état parce que bagaille nationale, toute bagaille qui gon porte nationale, c'est responsabilité de l'État que lié. Parce que décentralisation, c'est pas décentraliser toute responsabilité, non? C'est-à-dire que moun yo besoin gon méthodologie pour que yo fait, yo assure en fonction que l'État transféré ou bien les délégués yo. Eh bien, l'État ça a l'île là pour ça. Et tout pendant la période que 10 à 12 de jours que le cyclone n'a pas fait pour te courir, yo te gen droit faire des réunions ensemble avec yo et puis yo planifier te gen droit même gen des livrets qui se délivrent comme si d'adou c'est des guides guerriers qui dit mais qui gens pour ba yo faire parce que nous non pays qui sont pays vulnérables nous route cyclonio nous dans route cyclonio nous dans des zones qui gen des failles géologiques c'est-à-dire que c'est pas par hasard c'est pas pour nous son pays nous écouter que le bail sur fait c'est comme si tout le monde saisit. Jusqu'à fin novembre, là, nous avons droit à gagner, sans souhaiter l'éternel. Nous avons droit à gagner l'autre désastre qui passe dans le pays. Donc, ça veut dire que si que pas gagner en quelle disposition, là, et même du tout, et c'est la balle cynique. Parce que tout le monde ou institution qui fait beurre le bail, ça va passer. Si c'est eux-mêmes qui gagnent maillette dans la main, vous pensez que vous pouvez mettre des systèmes rationnels? Ils ne peuvent pas mettre des systèmes rationnels. Et c'est là que balance cynique, et c'est là que faut citoyen réfléchir, faut société réfléchir, parce que 12 janvier passé, pas vrai, nous tous, nous dit que bah on pas capable continuer fait comme ça, et mais bah on continue fait même genre, ou bien on fait plus mal, parce que il y a des possibilités mon joindre pour ma connaître société avec étranger puis on fait comme yo fait comme yo détourne un paquet comme non seulement que dénoncer de capitalisation en termes d'infrastructure de avec pays en perdu mais pays en perdu tout en termes de savoir-faire parce que 12 ans par exemple côté que un paquet de cas est écrasé endommagé des mon expertise internationale qui est venu pour yo identifier caille qui pour réparer, qui pour démolir, etc. Ou bien pas rien. Mais, Valérie, vous faites bail sur sans implication, mairie zone qui te touche, oui. Ou après remarquer que vous marchez, vous passez petit quoi rouge, petit quoi vert, inscription dans caille. Mairie n'a pas même une liste de caille qui pour démolir. Mairie n'a pas une liste de caille qui pour réparer, qui réparation pour vous faire. Oh, c'est mairie qui l'a pour délivrer permis de construire. Mais qui ont autorité nous yo, mais qui ont classe politique à qui ton pays fonctionner. Bon, c'est normal, si que c'est comme ça n'a fonctionné. C'est comme ça moun qui dans tête l'état voulait pour pays continuer fonctionner. Et même mon cher, bon moi même rivé non là côté que moi même ces derniers bras sur m'a fait. Mais jeune moun qui dans pays mes amis ont entravé. Et je pense que ça lui fait appel à engagement et tout, parce que, mes amis, nous tous nous dans le bateau, nous ne sommes pas capables de quitter que le capitaine bateau a conduit le bateau de la façon qu'il a conduit là. Vous avez l'impression que c'est comme si vous pensez que émotionnellement, vous affecté, c'est ça qui fait que pied est malé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que c'est des calculs qu'il a fait. Moi, je vous parle que nous dépassons 15 octobre. Mairie pas gain budget. Son bar qui grave, mairie pas gain budget parce que l'État haïtien
refuser communiquer les vraies valeurs, quantité vraie quantité d'argent que vous supposez joindre de fondation. C'est comme si l'État haïtien fâché, même si l'État haïtien n'est pas l'État haïtien, parce que mais il y a dans l'État, le pouvoir central fâché d'être que Mérion impliqué nos mouvements revendicatifs pour que toute fondation ajoigne. Donc, ça y fait comme représailles, eh bien, yo campé sous position, yo, yo pas jamais engagé négociation pour faire avec Mérion avant les fiscales, puis yo dit, bon, mais qu'ils ont fondation pour le faire, mais tant qu'on peut le bail pour fonctionnement, salaire, etc., tant reste qu'on blanc, j'en l'ai dit là, c'est pour l'école et de l'eau potable. D'accord, gagne des zones. Les besoins sociaux. D'accord, on est là pour les gens. Pas gagner un budget. Gagne des zones qui plus frappées que l'autre, qui plus affectées que l'autre. Et c'est vrai que y a une polémique autour de chiffres, quantité de monde qui mourit, quantité de monde qui pas mourit, des bails comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer là. Et il y a des gens qui, nous capables toujours recouvrir Kaimounio, par exemple Jérémy, mais il y a des gens qui croient que pas gagnons qu'à faire dans l'espace sans, faut que nous ta évaluer en l'autre façon pour permettre que yo prévoit un projet logement social, par contre sur combien de temps, et puis pour être capable de déplacer Mounio au fur et à mesure. Bon, ça c'est le long terme. Qui j'en ou même ouais gestion, un cas spécifique ça, qui c'est Jérémy, qui j'en ouais gestion après Mathieu sur le long terme, notamment pour Jérémy. Bon, sur le long terme, pour Jérémy et bon, pour tout le reste pays, hein, parce que regardez bien, c'est pas dans Jérémy seulement, dans une zone sur cyclone qu'on fait des gars, cyclone. Bon, il y a des zones plus ou moins partout central à côté que cyclone pas fait trop de dégâts, mais tout pays est vulnérable. Moi, je pense que sur le long terme, et là, et moi, quoi que grand collège des ingénieurs et architectes. Et il y a un pile de monde qui est spécialiste là-dedans, dans la question de construction anticyclonique, parasismique, etc. Il y a une réflexion pour faire sur des matériaux locaux, sur main-d'œuvre locale, sur technologie locale, pour que nous diminuions la vulnérabilité bâtie à moyen et à long terme. C'est ça que fait moi-même, moi, penser que on intervention, une série d'interventions de court terme, parce que si nous avons mouillé la pluie sur les abattus, il faut que on résout le problème ça tout de suite. Mais maintenant, pendant qu'on résout le problème ça tout de suite, il ne faut pas mettre trop de ressources là-dedans tout de suite, là, c'est tout de suite là n'est pas durable. Donc, l'autre décision pour prendre. Bon, décision ça y est, bon, moi-même, moi, je suis urbaniste. Donc, je dois avoir un point de vue urbanistique, mais là-dedans, mais en général, l'on face à des problèmes comme ça, c'est des groupes interdisciplinaires qu'on mettait ensemble. Faut mettre sociologues, parce que sociologues, là, ils permettent qu'on connaît, par exemple, soit envisager faire des habitats, ou bien encourager des habitats à côté que plusieurs familles pour aller vivre ensemble. Qui a par exemple pour Funkaï, pour que plusieurs familles copropriétaires vivent ensemble sur Panaché Répite. Est-ce que Haïtien est prêt pour vivre dans un condominium? Bon, je ne parle pas de manière générale, je ne parle pas par rapport à la zone et à la cyclone. C'est pour me dire que l'organe des barres comme ça, c'est des comités pluridisciplinaires, bon, bon terme français, holistique qu'on fait, des gens qui sont compétents, qui citent et qui dialoguent avec les gens dans la zone. Qui pourrait, qui ça, en fonction de culture, yo, en fonction de tradition, yo, qui ça qui meilleur pour permettre qu'on joigne nos solutions à long terme? Ça, c'est un bagage très sérieux que je dis. C'est pas que nos petits amis, balayer un contrat à travers un organisme d'État, ou bien relayer un série d'entrepreneurs privés, balayer des contrats, puis on fait l'argent. C'est l'argent à venir, parce que je ne pas compte que nous fait l'argent. Mais le bon l'État, à travers des réalités qui sont aussi dramatiques, il faut que l'homme on a fait l'argent, on fait l'argent bien. Ce n'est pas sous deux populations qu'on fait l'argent, de telle sorte que la situation n'est pas améliorée après bon, qu'on fait l'argent. Bon, prends un cas spécifique, André Lafontaine-Joseph. Par exemple,
ce que l'Iva là pour l'église Saint-Louis de Jérémie. Oui. Même Jean l'Iva là pour l'église Sainte-Anne de Quimperlé. L'église Sainte-Anne, sont l'église qui construit en 1958. Libre sous Cléo en 64, on t'y frappe, côté que quelques feuilles qui volaient, etc. Mais fois ça, l'y éliminé net. Gagné Hands Together, qui intéressé pour aider à reconstruire l'église ça, net. Ouais. L'église et Sainte-Anne de Quimperlé. Qui sa procédure t'a supposé y? M'pren ka ça. Par exemple, qui j'a pour Hands Together aborder question? À qui est-ce pour lui? Est-ce que l'obligé ou la mairie? Parce que y'a rencontré déjà avec responsable l'église dans lui-même qui sont pères catholiques. M'pren ka ça pour capitaliser tout l'autre pour moi. Bon, oui, dit. Bon, et reconstruction de l'église là, m'pap mette dans le cadre d'action à court terme. M'pap mette le moins dans le cadre d'action à moyen terme. Parce que il faut que gagne des études qui fait et tant qu'on dit on étude qui fait faut étude là tenir compte de vulnérabilité zone. Donc ça veut dire que si ça pas fait par rapport à la dernière fois que été construit l'église là ou bien reconstruire parce que je suis sûr que l'église là Flora te bal frappe Azel te bal frappe s'il était là dans période Flora avec Azel. Oui bien sûr. Donc, nous capable interroger ça plus grand qui là toujours. Pour nous vérifier ça que nous disons. Donc, ça veut dire que ce n'est pas normal. Pour que nous agissions comme on fourmi côté ou vient un gars et nous et puis là, pour retourner même côté en refait la même genre, et puis pour tourner regarder là encore. C'est-à-dire que faut que bon réflexion que fait. Bon, c'est vrai que il y a des débats qui correspondent à la tradition. Nous avons l'église ancienne, l'église qui était faite en tôle, nous avons même architecture là. Mais il y a l'autre matériau. Actuellement, il y a des recherches qui ont fait, y compris en Haïti. Sous des combinaisons de ciment avec des treillis métalliques, etc., qui ont un aspect qui léger, qui ont un aspect qui ont même. Bon aspect béton, même bon aspect béton. Même légèreté avec apparence avec un tol en ciment, etc. Mais il y a des tols tout qui, j'en commette une structure métallique, qui fait beaucoup plus résistant. Faut dire que moi-même, par exemple, qui, je ne suis pas si dans le côté que ma violon qui est en tol. Et mais moi-même, comme individu, et mais moi, le cyclone pour le passé, je cherchais une vingtaine de blocs, moi, mettez bloc yo sous tol yo pour que dans la zone côté que vent privé, pour bailler tol là beaucoup plus de poids. Bon, et je ne dis pas que je étudie exactement qui poids vent cap lever tol là, mais il y a un ensemble de mesures, même des petites mesures comme ça. Que si que bon réflexion que fait tout ça puis bon partage que moun yo même mette bloc moun yo game yo capable mettre c'est-à-dire que gen toute une série de réflexions qu'on ça pour fait à un niveau très pointu mais à un niveau aussi plat que ça me fait dire là côté que moi-même moi t'ai mettre des blocs dans partie calan qui gen tol là pour suivant venir pour que le joigne plus poids que le pas lever tol dans la vel. Donc moi pense que c'est ça qui pour fait or là pour gagner, là pour et ça m'a bien les réaliser. Faut qu'un dialogue, faut qu'un dialogue, faut sentir que monde local yo, yo interpellé, yo venu participer nos réflexions sur gens que zone mal à fait. Mais forme de que jusqu'à présent l'État central ne va pas fonctionner. Nous avons entendu qui organise qui pourra le reconstruire. Et après 4-5 jours, vous attendez que vous avez un bon contrat dans la main. Si vous avez un bon contrat dans la main, c'est que le contrat, ça, il pourra le définir des directives techniques. Par contre, vous comprenez ça, parce que, une institution qui a un contrat, on fait de route, qui est une institution de l'État, il y a tant de millions, etc., dans la main pour le fonds de travail, et il y a des directives techniques sur qui j'en veux le faire travail. C'est en fonction de ça. Que qu'on commet comme cabalé comme comme grappé. Oh, pas rien qu'un bon, on t'attendait Fenam demander que yo fait yo constitue une instance même et partenariat l'État, collectivité, secteur privé. Hein, qui pour garder développement zone là. Bon, l'État pas dit rien à propos de ça. Bon, ou même Valérie qui sont entrepreneurs dans zone là. Non seulement où qu'on a besoin en tant qu'entrepreneur
mais je pense qu'on a besoin de conseil de l'autre entrepreneur qui est dans des domaines qui pas domaine pas là. Tout à fait. Comme entrepreneur, nous avons avec nous, si une intervention qui a fait, nous avons le droit de porter nos panneaux. Non seulement pour intérêt par nous, mais pour l'autre intérêt que nous connaissons tout comme nous vivons dans la zone. Et mais est-ce que normal pour que c'est tant d'autant de que contrepassé, intervention de l'État, tout bas fait par là? C'est pas normal. Pire simplement. Et moi, je trouve que seule raison que nous avons fait comme ça, c'est pas parce que vous trop pris, c'est vrai. Parce que les gens qui ont c'est précieux, précieux, signent un contrat. Ils signent un contrat fait un an pour exécuter. Est-ce que je menti, Valérie? Non, c'est tout à fait. Pas bon paquet de contrat, c'est état d'urgence qui fait signer, et puis c'est un an et demi après que l'exécuter. Donc, si que vous êtes pressé comme ça, vous signez un contrat, vous exécutez le même. Vous savez que vous avez un mensonge général, une tromperie, et vous avez un fonctionnement vraiment, son fonctionnement est extrêmement négatif de pays. Hein? Moi, je crois que l'île pour que citoyens qui n'est pas impliqué dans le complot, ça, qui, moi-même, son complot, mêlé, son véritable complot contre le peuple haïtien. Et là où il y a des moments de calamité comme ça, c'est eux-mêmes qui permettent de sinistre les gens qui ont au pouvoir. Pas tout, mais en pile là-dedans. Parce que au lieu que vous saisissez comme opportunité pour que vous fassiez la population ressouder, mais c'est là que ça vous fait bien. Ok, je vais retourner sur la question parce que je n'ai pas tant de réponses. Moi, je dis par exemple, ONG ça qui vient, il a rencontré à l'église, non? À qui est-ce que vous rencontrez encore? Qui ça pour faire pour que. Ah non, il faut que les. Bon, je pense que ONG a rencontré avec l'église, non? Bon, l'église, non, lui-même, c'est le principal bénéficiaire question, l'église, non, by Avili. Et bon, je pense que faut rencontrer avec. Mais il faut rencontrer avec des autres monde qui sont dans la population. Bon, c'est pour l'église non seulement, bon, il n'y a pas nécessairement bah, pour faire une consultation de la population, mais y compris l'église là, si l'église a une bonne réparation pour le faire, légalement, il faut que les bâtiments plan d'aménagement dans la mairie. Oui? Mairie lui-même, pour que c'est sûr que mairie n'a pas d'expertise technique. Mais presque sûr de ça, que mairie Jérémy n'a pas qu'une expertise technique pour le bâtiment avis technique là. Mais avis technique là, il est supposé garder, il est supposé en contact avec le ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics lui-même qui vient pour gagner des directives par rapport à la région ça, en matière de construction. C'est ça qu'il vient pour faire. D'abord, pardon, il faut nous gagner des directives par rapport à la construction dans la zone. Et tout type de bâtiment, l'église qui roule, etc. Faut que ça fait. Okay. Actuellement, faut que ça fait. D'accord. Yeah. Dit, on est bien venu livrer faire l'église, il n'y a pas pour faire l'église dans deux mois. Donc, ça veut dire au moins nous connaissons que ONG ça est disposé pour faire l'église. Ça, c'est de acquis. Peut-être qu'il y a un corps blanc, etc. Mais qu'on y a, en attendant, il faut que le ministère public, autorité dans la zone, il faut que nous non dynamique dans réflexion. Sous qui gens que habitat dans zone ta pour le fait et dans différents types d'habitat pour rendre au moins vulnérable. D'accord. Maintenant, c'est sûr. D'accord. On nous fait une interview en de la Fontaine Joseph avec aide dominicaine dans femme bandit de Mossouli et autant de un pile lobo et par rapport à la question et qui point de vue Mossouli. Bon, il y en a un premier point de vue Mossouli, je pense que bon, et le pouvoir central là n'est pas assez communicatif par rapport à démarche que l'a fait et par rapport à offre d'aide que li gagné et modalité aide ça. Bon, ça caractérise tout ambiance sous faut que bah pas connu pour que bon gagne des intérêts particuliers qui jouent là-dedans. Et son pays au fond aide non si, non circonstance que nous est là li difficile pour nous refusons aide, mais bon, mais nous sommes en guerre avec la République dominicaine, bon, par quoi que nous n'avons guère déclaré avec elle. Cependant, et moi-même, là, j'ai été des 1200 militaires dominicains pour le déployer, bon, forme de que bon, moi, j'ai été saisi, maintenant, des 1200 militaires dominicains, ils sont leur bagaille. Bon,
bien sûr, mon paquet petit camion petit qui a venu avec Edlan, donc il forme qui va en fait l'entour. Bon, bien sûr, et peut-être que dans tête dominicaine, petit camion c'était mieux pour que très rapidement il était dispatché Edlan. Ouais, parce que je ne pas voulais mettre en intention négative. Parce que est-ce que au niveau de l'État ici en tout, c'est là qu'on a faiblesse nous. Est-ce que nous gagnons capacité de stockage intermédiaire, comme si nous avons pour le balance de ce domaine, et puis par exemple au niveau de la capitale, au niveau du parc industriel ou même parc, est-ce que nous avons des dépôts de transition côté que balance est capable de passer? Est-ce que nous avons matériel? Est-ce que l'État ici a un matériel suffisant pour distribuer une aide qui peut aller dans les des localités? J'aime dire, ouais, pas que petit camion, ça, par exemple, sous une capacité comme ça, il y a 13 petits camions partis chaque année en section communale. Mm-hmm. C'est pas un gros camion qui a passé devant une section communale pour l'autre qui fait que mon Dieu, j'ai l'été le plus au pied. Donc, même penser que on responsable, nos situations pareilles, c'est pour une situation qui est simple liée. Et ça fait pas vouer la première pierre. Même par rapport à aider capable de faire dans ce sens-là. Dans ce sens-là, pas dans l'autre sens que nous avons parlé. Même parce que faut responsable, faites attention par rapport à des éléments et qui dans la culture nous, des éléments historiques qui étaient dans la tête nous, dans la psychologie collective là. Ou pour nous recevoir, et... ou pour nous recevoir aide dominicaine non ou pas? Non, nous pas capable de refuser aide dominicaine non. Mais moi mettant un gros point d'interrogation à faire. 1200 et soldats dominicains qui te gagnent pour déployer ce territoire-là, qui boivent à poil, etc. Donc, ça, moi-même, je ne pas connaît qui logique qui gagne là-dedans. Bon, bien sûr. Et pendant que je me dis ça, est-ce que actuellement, PNH, la police nationale, est-ce que gestion que y a fait de PNH, dans cette situation, est-ce que c'est la gestion la plus efficace? Est-ce que PNH a un moyen vraiment de jouer Wally pour toute une série de nouvelles réalités présentées là, par exemple, qui c'est sécurisation et aidant, etc., de sécurisation pour monde qui a venu aider nous, parce que dans des sacs passés, Jérémy, on bateau a venu. Mm-hmm. Mais tellement de monde sous Waflan, encore une fois, c'est faiblesse à Mabdoulan, pas mon information préalable de monde pour connait que elle ça cap venir, mais qui dit que le poil reparti, mais sous qui forme que le poil fait. Et mais mon yo croit que ça qui là qui dans pour yo c'est même cap jeune, parce que pas gain un mécanisme qui clairement défini avec Mérian, que Mérian lui-même l'informer qu'avec là, que Mérian l'informe moun qui dans visio, que Kazek l'informe moun qui dans section communale, qui okay. Permettent que le gros de moun yo kon ki jan ba la fèt ki yo tèm. Ba di ke pa gen 2-3 sans rave ki pa gen dwa gen intention yo même pour al piye. Non, parce que c'est pas samedi. Mais le sa, tas la mwen pou PNH. Si c'est 5-6 bandi ki vini pou fon desod, avec on population ki gen le besoin, ki grand goût, qui pas contre ceux qui forment que pour aller distribuer ou manger bali, dit quoi que c'est ça qui là qui n'a pas le cap noël. Eh ben bon, ça veut dire que là nous dans situation ça, mes amis, il faut que c'est politique que nous changer. Politique c'est pas faire combinaison pour prendre pouvoir ou bien pour rester dans pouvoir. Politique c'est la gestion de la cité, et c'est la gestion de la cité dans n'importe quelle circonstance, dans les bons comme dans les mauvais jours. Mm-hmm. Responsable pas là pour gérer pays les bon seulement. Yo là pour gérer pays tout leur une catastrophe. Okay. Et il faut que yo connaisse tout que l'homme est responsable ou pas capable de faire critique. Nous on n'a pas critique, pas le responsable l'État, parce que les choses de l'État ce sont des affaires publiques. Sou kon ou ap ofiske ou se moun ki gen orgueil ou pa vle moun kritike ou, mais parle nan zafè l'État. Parce que faut prendre critique nan bien. Parce que j'ai l'impression que gen des moun nan gouvernement qui tétanise oui, par rapport à critique. C'est du fait que yo critique yo, de kounya la yo rete yo chita. Yo sou bloc glace yo. Ou bien même que y a puni moun ki critique yo. Mm-hmm. Mais c'est pas ça pour faire, c'est pour bailler des missions.
sont senti qu'on tellement choqué ou tellement blessé par ça que ou dit ça qu'arrivé. Moi même si m'ta responsable d'état, bon gede si m'ta en population vraiment moun ki m'a servi ou pa vle même, m'a viré d'homme. Mhm. Mhm. M'ta professeur, m'a ban une anecdote. M'ta fait commencer dans syndicat d'enseignants. Et puis moi j'ai une classe de 5e dans collège Elliot Pierre que m'ta fait cours, c'était collège papa. Et puis il y a des missions que m'a fait dans province ou bien des réunions qui fait que m'a pas eu état m'a pas absence. Moi c'est si mon été même comme professeur, mais pas tenir même dans point pour être toléré que me continue à pas absence ba état mais bonjour. Le revenir dans classement avant de commencer courant, il dit que maintenant nous on s'y parler, nous besoin faire ça ma voix. Il dit OK, pas un problème plus tard. Et que nous aimons vous faire courant bien pour nous mais et bien trop absence sur mettre là. Bien trop absence ou vient en retard et que mon cher nous dit au Timon nous gain raison. Me fin faire courant mais pendant m'a faire courant m'a réfléchi m'a voir que mon choix pour me faire. Et comme moi j'ai un engagement là ça dans CNEH côté que me pensé que me gon contribution à l'éducation qui dépassait ça que me t'a comme contribution dans salle de classe, là me fin faire courant, me passer dans direction, me dit direction que me ba 2 semaines de jeune remplaçant mieux parce que me pas capable rester encore. Mais l'homme monde ou croit que c'est service ou servir, mais qui attitude pour gagner. OK. Merci un pile de la Fontaine Joseph. Merci Valérie et bon courage à la population qui a souffert en pile et mandé yo que yo pas quitter souffrance ça yo fait être yo parti magistrat yo moi ensemble avec nous moi féliciter nous dit nous bon courage bataille n'a mené c'est le bon combat et me certain que même si gagne nous qui tomber reste l'autre yo il a levé pour continuer bataille. Merci un pile de... merci un pile de la Fontaine Joseph. Paul Lapalais.com.